Et salut à tous et bienvenue, je suis NucleGuest pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir en mode tardif comme j'avais annoncé précédemment et comme j'avais annoncé hier également. Petite soirée de live sans prétention, on va se faire un petit peu de Fall Guys, je sais pas combien de temps, peut-être pas très longtemps, on passera peut-être sur autre chose, j'en sais rien. On verra bien, mais en attendant, quelques petites games de Fall Guys, on va tenter d'aller chercher le top 1. C'est pas gagné quand on voit comment c'était hier. Oh, le skin d'Alix. voyons voir. Enlève le chapeau, qu'on voit bien les couleurs. À quoi ressemblent les couleurs du jour. On va m'expliquer pourquoi cette couleur s'appelle Raptor. Ah, j'aurais bien aimé avoir assez pour me la payer celle-là. Du coup, rendez-moi mon petit loup. Et on va donc partir sur quelques games. On va espérer récupérer quelques petits top 1, hein, parce que bon. Précédemment, on a vu que c'était pas trop ça. On va bien voir. Est-ce que c'est vraiment devenu extrêmement chiant? Ou est-ce que c'était juste une mauvaise soirée? On va voir ça. Et salut Rodstar, comment on va? Excusez-moi. Est-ce que c'est le Willy Gig nouvelle version ou pas? Non, parce que la seule fois où on est tombé dessus en nouvelle version, j'ai pas fini. Ça va et toi? Ben ça va tranquillement, on vient de rentrer, de se poser tranquillou, donc ouais, ça va, on est bien. On est bien. Ça commence. Ça va commencer. Et salut Tina. Comment ça? Et donc ouais, c'est pas la... Ah, quoique, je sais pas. Ah mais oui, non, si, ça était pas ça avant, ça. Non! Ah non. Non mais sérieux. Ça va pas le faire. Hein. Oh putain, ça passe pas. Oh là là. Oh putain. On va dire que ça va être la game de chauffe. Hein. Parce que la baie de Dieu. Non, pas de blue ce soir, il était pas chaud. Je peux le comprendre en même temps. Vu les dernières games qu'on s'est tapé, je peux comprendre qu'il était pas chaud. Mais bon, on va bien voir. De toute façon, ça c'est la game qui compte pas, c'est... voilà, hein. On va dire ça comme ça pour se rassurer soi-même. Ça me paraît bien. Attends, je vais juste bouger un peu le micro. Voilà. Non. Balançoire de mort. Bon.
En fait, celle-là, je vois pas comment ils pourraient faire des nouveautés dessus, en fait, à part éventuellement mettre des canons pour être encore plus relou. Putain, et je suis tombé parce qu'il y en a un qui m'a marché dessus. C'est ça que je trouve chiant dans le gameplay Fall Guys, dans l'ensemble. Il y a un truc que je trouve extrêmement relou, c'est s'il y a un mec qui te saute dessus, c'est toi qui tombe. C'est voilà, 9 fois sur 10, c'est toi qui tombe. Lui, le mec, il y va tranquille en mode OZEF, et toi, tu te viandes parce que, parce que Bichal a été relou. C'est la game qui compte pas sauf si elle finit en top 1, c'est un peu ça en fait. C'est même clairement ça. Et salut Hello! Comment ça va? Aïe aïe. En vrai j'ai tellement peur de ce que ça va donner là. La saison 2. J'ai tellement peur de ce qu'elle va donner. En fait, c'est surtout quand on voit les nouvelles mécaniques qui veulent mettre sur la saison 2. Je me dis, comment ça va être possible de jouer en fait. Ben ça va bien, ça va bien, ça va tranquillement. Comment ça va être possible de jouer sur la saison 2 jeu avec les conneries de blocs que tu dois déplacer pour faire toi-même ton chemin, mais en sachant que du coup les autres vont essayer de t'enlever tes blocs pour que t'avances pas. En vrai je le sens pas. Je le sens clairement pas. Raisin pastèque. Attaque a raté son saut. Alors, raisin, orange, banane. Steak, banane, raisin, pomme. Aussi qui vont attendre que tu déplaces les blocs pour grimper dessus et passer devant toi. Ah oui, ça est évident. Je me doute bien qu'il y en a qui vont attendre bien sagement que t'aies fait ton chemin tranquille pour que tu puisses passer et que non, il va passer devant. Mais ouais, cette saison 2... c'est la première fois que tu rates cette map, non? Non, c'est la deuxième. Une fois parce qu'on faisait les cons avec Blue et qu'on n'a pas regardé. Et là parce que je me suis fait pousser. Mais oui, non, c'est très rare qu'on la rate, celle-là, c'est... Ah.
Aïe aïe aïe. Bon, j'avoue, ce soir c'est mode complètement détente. Hein. Encore la map 3. Oui, encore une fois. Oui. What? J'ai hésité à le suivre, j'aurais dû. Non mais arrêtez! Oh, putain. Voilà, et là c'est le bordel. Et là c'est le bordel, tu te retrouves au milieu. Dieu. Encore la map 3. Oui, encore la map 3. Ça, c'est pour ça que je le relève pas plus. Mais mais oui, en effet, c'était la map 3. Pam 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 pam. Bon, d'ailleurs, on va commencer un peu à réfléchir au prochain marathon, hein, parce que bon, tactiquement, on va essayer de le prévoir pour le mois prochain. Pour le mois d'octobre. A priori, fin octobre. On va essayer de voir ça, ça peut être pas mal. Anniversaire ou pour Halloween? Aucune idée. J'ai aucune idée. Étant donné que j'ai aucune idée de la date, déjà. Je peux pas du tout dire si ce sera pour l'un ou pour l'autre. Ok. Parce qu'après, bon, pour Halloween, genre, je fais pas de marathon ou truc pas proprement parler, c'est juste une soirée Halloween. Mais bon, sinon, faire un marathon sur le thème d'Halloween, ça va être chiant, quoi. Je dois faire que des jeux d'horreur, enfin, c'est mort. Hein. Ah, ça l'aborde, hein, j'adore ça. Ça l'aborde direct, c'est non. Hein. Ok, c'est l'ancienne version. Ah, oh, mais saleté de... Mais putain, mais sérieusement? Ouais, bah, ça va pas passer du coup. Là, ça va pas passer non plus. Mais mon demi de Dieu! Oh putain, mais sérieux? Oh, vas-y.
Allez hop, Nanif, c'est un mardi, Halloween un samedi. Oui, après j'avoue que oui, j'ai aucune idée de quand est-ce que je vais faire. Je vais pas faire un live le jour de mon anniversaire. En tout cas, pas un marathon le jour de mon anniversaire ou j'en sais rien en fait. Je disais pas, je sais pas quand est-ce que ça tombe en termes de. Quand est-ce que. Quel jour je vais faire ça en termes de. Quel jour de la semaine, mais plutôt en termes de. Quand est-ce que je vais le faire. C'est plus dans ce sens-là que je le disais. Parce que de toute façon, je vous le dis pour l'instant, il y a absolument. Clairement rien de programmé. J'ai rien prévu. C'est un YOLO. On verra bien. Pour l'instant, c'est juste l'idée, elle est là. Oh putain, y'avait rien du tout. Ouah, le mec a déclenché la dalle sans tomber. Le week-end entre les deux, bah on verra, comme je dis, j'ai absolument rien prévu en termes de date. Ça peut être l'occasion de faire un passage sur les Sims versus la régie, bah on verra, comme je dis, j'ai absolument rien de prévu. La seule chose que je sais, c'est que j'ai envie de faire du Sea Off et du Fall Guys, c'est tout. Le reste, j'en ai absolument aucune idée. Allez, mais barre-toi! Oh putain! Putain, et ça fait deux fois que le mec m'empêche d'avancer! C'est relou! Ouah, c'est nouveau ça! C'est quoi tous ces marteaux, sérieux? Oh putain! Oh putain! What? What? Oh. Mmh. On a buzz. On a buzz. Nous a fait une Donald Renew totalement. T'es déjà stabilo lors du dernier live, mais t'étais pas allé si loin. D'accord, je me souvenais pas qu'il y avait les boudins en plein milieu.
Ouais, tout à fait. J'ai clairement fait la même chose que le clip que Donald Renew a RT ou a repartagé il y a aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui ou hier, je sais plus. C'est-à-dire que j'ai touché la couronne, mais il y a quelqu'un qui l'a touché juste avant moi. J'ai envie de crier très très fort. Mais il est 11h passé, donc je vais pas le faire. Non, je veux pas de coussin, merci. Crain, sérieux, quoi. Nice. Je vais le faire pour toi, ragre. Ouais, c'est ça. Et oulala, ragre, je suis pas content. Je l'ai touché, quoi. Je l'ai touché. C'est dégueulasse. Tiens, la fameuse montée. Ah, et c'est la vieille version? Pas la vieille version. Ah, quoique, non, c'est pas la vieille version, c'est... Non, clairement pas, c'est pas la vieille. Mais sérieux, les mecs essaient de pousser à l'envers, hein, vraiment? Non, ils m'ont poussé. Oh putain. Ça va être chaud. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Putain de singe de mort. Mais barre-toi.
Il y en a un qui s'est jeté tout seul. Très bien. C'était chaud. C'était chaud sur la fin. Bon d'ailleurs rien à voir mais je suis en train de regarder mon retour X-Speed. Ça m'y a fait penser. Apparemment dans les prochains jours la météo va commencer. Enfin la température va commencer à baisser. Donc qui dit la température qui baisse dit que ça va être le retour de la cam. Ça va être chiant, je vais devoir me rhabiller. Mais ça va être cool, je vais pouvoir remettre la cave et le projo et tout, ça va être bien. Oh, joli ça. Allez, c'est qui le met, c'est Bibi. Ah merde. C'est qui le met, c'est eux. Ah mais... Eh merde. Pas du tout ce que je voulais faire. Ah putain. Oh oui. Oh non. Ils ont failli se le mettre tout seul. Le ballon est TP. Le ballon c'est TP. Tout va bien. Oh putain. C'est violent celui-là. Eh. Ah non. Nice. Ça va être compliqué. Ça va être chaud. Allez boum. Mangez des boum. Oh, ils ont fait se la mettre toute seule. Ah putain. Et c'est le contre. Et c'est le potata. Oh putain. Non, 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 mais genre, quoi, on perd là-dessus. Oh. Oh. Eh, j'ai fait quelques belles actions, non, bah, je suis content. J'ai quand même fait quelques belles actions. Aïe aïe. T'as marqué le seul but GG. Oui, c'est vrai. Merci. C'est vrai.
Bon. Et je vais pas passer ? Oh si ça. Clairement, c'est ce qu'on disait l'autre fois avec Blue, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en soi, les modifications qu'il y a eu sur les maps sont pas si extraordinaires que ça, mais il y a qu'à voir quoi, il y a qu'à voir les parties qu'on fait depuis qu'on a fait depuis le dernier live quoi, c'est... C'est devenu insane quoi, t'es obligé d'être concentré du début à la fin. Sauf quand le jeu a décidé que toi, de toute façon, tu passerais pas. Et ça, on l'a bien vu. Quand le jeu veut pas de toi, il te le fait bien comprendre. Il sautait trop haut. J'ai eu un peu peur. Barre-toi le canard. Je te vois pas. Plus qu'un dernier. Voilà. Et Rotina. Bon, je pense que la semaine qui va arriver, là, on va essayer. Je vais essayer de faire un. C'est pas que je vais essayer, c'est que j'ai envie de faire un peu de Sea Off. Qu'on soit 2, 3 ou 4, peu importe. J'ai un objectif de thune. Un objectif de skin qui me plaît bien. Donc je me dis que voilà, on va essayer de s'en donner un petit peu les moyens. Et en gros, faut que je monte à un truc genre dans les 400 000. 400, 500 000. Donc il va falloir jouer. Putain. Puis j'avoue, avec les derniers lives qu'on a fait dessus, ça m'a donné envie d'y rejouer un peu plus régulièrement, dirons-nous. Ah, barre-toi, pigeon de mort!
dans un premier. Voilà. Oh, joli rattrapage. Oh, double rattrapage. Sérieux les gars. Oh, sérieusement quoi. Vas-y, fais-toi choper toi. Je vous en supplie que ce mec se fasse choper. Oh oui, non. Oh. Il va quand même essayer de le foutre dehors. Non mais sérieux quoi. Et du coup, salut Rusty, comment ça va? Ça potentiel jeu à trois équipes. Potentiellement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la map. Voilà, je pensais à celle-là. Très bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et je suis pas hypé de la voir. Ben la voilà. Merci d'être venu, hein, vraiment. On apprécie. Ah, les gars, c'est pas moi qu'il faut pousser, hein, c'est la balle. J'avais à vous poser la question. En plus, on est dernier pour l'instant. Mais les... Oh putain, non mais sérieux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Oh mon dieu. Mais mon dieu, mais... Oh. Oh mon dieu. Ah mais les gars, ça sert à rien. What? Quand ça veut pas. Non mais au moins comme ça on aura la confirmation. Parce que la dernière fois on se disait ouais c'était vraiment une soirée de merde. Mais est-ce que si on passe deux soirées d'affilée où les parties sont reloues, c'est voilà la coïncidence. Moi j'y crois moyen, vous voyez. Équipe de bras cassés, ouais, ouais, il y a ça aussi, mais bon, on va pas dire que c'est l'équipe à chaque fois. Aïe, aïe. Bon, sinon, sur des notes plus joyeuses, parce que là, sinon, on va déprimer. Moi, le premier. Ah, tiens, c'est la version avec le marteau, tiens. Mais, mais pour le coup, il y a... Bah, comme vous l'avez vu sur Discord, hein, j'ai bossé donc cet après-midi, j'ai passé toute l'après-midi... Putain, mais sérieux, va Pfff, en vrai, dino de mort, là. Donc j'ai passé ouais, toute l'après-midi à bosser sur ce qui sera le prochain best-of clip. Oh, nice. Pas nice. Pouli, pouli, pouli.
Ah, il y a eu une envolée, hein. Le petit loup a appris à voler. Mais ouais, du coup, donc le prochain Best of Clip, qui, je pense, je le sortirai dimanche prochain, pas demain, parce que pour demain, j'ai encore du... Je vais probablement sortir un épisode de Fall Guys. Donc je le garde pour dimanche prochain. Et je pense que le dimanche d'après, je recommencerai à sortir les épisodes montés de Dragon Quest Builders Reconstruction 2.0. Donc voilà, vu le nombre de clips en attente, ça va rappeler des souvenirs. Oui, clairement. Puis j'ai essayé de mélanger des vieux comme des plus récents, on va dire. Des vieux comme des moins vieux, parce que j'ai pas mis des trop récents non plus. Mais il y a encore du boulot. Il y a vraiment encore du boulot. Ça fera une vingtaine de minutes, je crois, ce best-of là. Excusez-moi, mais si les bleus sont en train de nous empêcher de prendre leur truc là. Genre, le mec, je tombe dessus et il a rien. Mais genre. C'est vrai qu'ils sortent un deuxième Code Vein. J'avoue qu'un Code Vein et la suite de Code Vein, j'aimerais beaucoup. C'est clair. Mais ouais, en plus d'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas forcément parlé, mais... J'ai enfin récupéré un jeu qui va remplacer du coup FF7, qui est FF7 Remake, qui a été terminé sur la chaîne YouTube. Il y a un petit jeu sympathique là que j'ai déjà commencé à tourner. Vous aurez normalement le premier épisode lundi. Petit jeu qui devrait être assez court, mais dans l'idée, voilà, ça va nous changer littéralement d'ambiance, et moi ça me fait du bien en vrai. De passer sur un jeu un peu plus léger, dirons-nous. Alors, cerise pastèque, très bien. Tout comme j'attends de finir... De mémoire, t'es pas trop roguelike, Link. Ça dépend. Ça dépend lesquels. Et salut, Blue. Alors, pastèque, banane, pomme, cerise. Pastèque, banane, pomme, cerise. Là, je me concentre 2 minutes. Pastèque, banane, pomme, cerise. Pastèque, banane, pomme, aussi. Bah ouais, du coup, les roguelikes, ça dépend lesquels, en fait. C'est... Un que j'avais beaucoup aimé, c'était Lost Castle. Non, pas Lost Castle. Si, Lost Castle. Orange, cerise, raisin, pomme, banane. Orange, pastèque.
J'ai pas regardé. On range pastèque. Ok, pastèque, ça va. J'ai la chance. Ouh, Mammouth a eu chaud. Ouais, je crois que c'était Lost Castle. Il y a le studio qui a fait Bastion et Transistor qui vient de sortir un roguelike hack and slash plutôt cool. D'accord. Faut que je regarde. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, si, du coup, avec The Last of Us 2 là, qui est en cours de finissage, hein, enfin. En tout cas, enfin, moi j'ai fini les tournages depuis un petit moment, vous en doutez. Mais le dernier épisode sort mardi, je crois. Oui, je crois que c'est mardi. Faut juste que je recorde le bilan. L'épisode bilan. Qui devrait sortir, je pense, fin de cette semaine. Et comme ça, semaine prochaine, je commence un jeu que j'attendais depuis longtemps. Un jeu que j'attendais clairement. Auquel on jouera sûrement en coop d'ailleurs. Oh mais genre! Mais what? Ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Les mecs ils te chopent une queue à 1m50 de toi, je... Et en plus je me fais paumer. Oh oui! Ah, pour une fois que c'est moi qui vole une queue à la dernière seconde! Ah! Pour une fois! Brrr, j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir un film sur The Last of Us. Ça pourrait être cool, je pense. Ça pourrait être sympa. Ça dépend ce qu'ils en font. Mais ça pourrait être sympa. Bon, du coup, comment ça va, les arrivants? Mais ouais, moi, je... Disons que je suis pas fermé au truc, quoi. Je dis, pourquoi pas. Mais genre... Oh, bon, bah là, c'est foutu. Ouais. Fallait le tenter, je me suis dit, avec un bon lancer sur le marteau, ça peut passer, et bon. Vu que j'étais de toute façon en dernier, ça va à rien de prendre le chemin normal. Mais ouais, pourquoi pas un film The Last of Us, faudrait voir en fait, faudrait voir. Après il y a eu la fameuse rumeur de Tom Holland qui pourrait incarner Link. En vrai, je suis vraiment pas fan de Tom Holland. Enfin, en soi, ce qui me dérange le plus c'est qu'on le voit partout en fait. Mais bon... En soi, j'irai contre lui, hein. C'est juste que j'en ai marre de le voir partout. Mais
Après, voilà, ben dans League, je sais pas. Il va déjà incarner Nathan Drake. Oui, ça déjà, je... Ouais. Là, j'ai déjà plus de mal. Personne en Link en fait, hein, tout court, hein, je vois tellement pas un film là-dessus. Bah, apparemment ce serait sur, pour une série. Une série, on va appeler une série live, hein, genre voilà. Putain. Et je me fais marcher dessus, et c'est moi qui tombe, et j'en ai marre. Mais oui, ce jeu, ouais, je vois clairement pas non plus. J'aurais tellement aimé voir l'acteur de Castle dans le rôle de Nathan Drake. Mais clairement, très clairement, surtout qu'en plus il a fait un court-métrage de dans la peau de Nathan Drake. Et il passe tellement bien. Clairement, il passe beaucoup trop bien. Mais ouais, ouais, l'acteur de Castle avait fait un court-métrage sur du Nathan Drake et ça passait beaucoup trop bien. Franchement, je vous invite à le regarder. Bon, c'est en anglais, hein, mais bon, ça passe. Et même dans les mimiques, en fait, tu revois tellement Nathan Drake, c'est trop bien. Et bah non, bah à la place, ils prennent Tom Holland pour faire Nathan Drake gamin. Enfin, jeune. Je dis, mais mec! J'ai du mal à voir un acteur brun, oui il peut se teindre les cheveux, oui brun aux yeux marron, marron noir, incarner un perso blond, foncé ou châtain suivant les versions des jeux, aux yeux bleus, oui non mais clairement. Le lore de Zelda est trop vaste pour un film. Bah, pour un film, oui en effet. Pour un seul film, oui c'est beaucoup trop vaste, mais t'as pas besoin de faire un... En fait y'a pas besoin d'aller piocher sur tout le lore pour faire un film. C'est justement, en fait, c'est par rapport pour... Dans ce type d'exemple-là, je citerai le film de Warcraft, en fait. Qui, pour moi, et n'étant pas un gros, gros fanboy of Doom hardcore de Warcraft, je sais que, oui, il y a eu, des coupes au niveau du lore. Mais en même temps, tu peux pas faire rentrer 15 ans de lore dans un film de 2 heures. Enfin, je sais pas combien d'heures il fait, mais voilà. Et du coup, ils ont fait des choix de se baser sur une seule facette du lore de Warcraft pour en faire un film. Et c'était pas si mal. Enfin, en tout cas, voilà, pour quelqu'un qui... je connais globalement le lore, je connais pas dans les moindres détails, machin, tout ça. Mais moi, en tout cas, voilà, j'ai apprécié le film Warcraft. Et dans un film ou une série Zelda, on commence déjà. Je serais pas contre, en fait. Dans l'idée, je serais pas contre. Mais faudrait juste voir ce que ça pourrait donner, en fait. Hop. Oh, mais genre... En fait, si de base, tu décides de ne te baser que sur une partie du lore, ça peut passer, en fait. Après, ça implique créer le fait d'en faire potentiellement plusieurs, mais bon... Ça veut à la fois tout et rien dire, quoi. Après voilà, mais c'est probablement, enfin, si une série Zelda devait se faire,
Oh putain, joli ça, mec. Je serai un des premiers à essayer en tout cas de me renseigner. Donc ça finit pas comme Saint Seiya le film ou DB Evolution. Ben en soi le film d'animation de Saint Seiya, le tout dernier qui avait été fait, est pas si mauvais. Il est pas bon, mais il est pas si mauvais. DB Evolution, c'est une vaste fumisterie, mais ça j'en parlerai pas. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais voilà. Mais bon, voilà, il y a moyen de faire quelque chose. En espérant que ceux qui bossent dessus ont déjà touché un jeu Zelda, quoi, ou savent un minimum de quoi ils parlent. Et ça, c'est pas gagné. Ça, de clairement, c'est déjà pas gagné de base. Parce qu'après, bon là je vais parler d'autre chose, mais en termes d'adaptation, que personnellement j'ai trouvé être une bonne adaptation, c'est Alita. Parce que les gros puristes et tout étaient en mode « Ouais, c'est de la merde, ça respecte pas le manga oh. !» Oui, mais en même temps c'est pas basé sur le manga. Du coup, bah oui, ça respecte pas le manga, parce que c'est pas le manga. Enfin, bref, vous voyez l'idée. Et pour le coup, moi, j'ai trouvé excellent, parce que, oui, il est pas basé sur le manga, il est basé sur le... sur le long métrage qui était sorti en je sais plus quelle année. Et clairement, bah, quand tu regardes certaines scènes du long métrage, tu dis, ah oui, là, clairement, les gars, voilà, le truc, il est génial ici. Il y a certaines scènes qui sont reprises entre guillemets, trait pour trait, quoi. Et visuellement, personnellement, je l'ai trouvé magnifique. Les scènes d'action sont cool, elles rendent bien. Voilà, moi personnellement, le film Alita, j'ai trouvé génial parce que le manga lui-même, je le connais assez peu. Le manga en lui-même, manga papier ou l'anime, je les connais assez peu. Mais j'avais vu à l'époque le long métrage anime qui était sorti, que j'avais trouvé très cool. Et moi, en fait, j'ai eu l'impression de revoir cette... Oh, c'est nouveau, ça ! Donc, en plus des bouboules au niveau des cages, il y a un truc au milieu qui tourne. Très bien. Bonne ambiance. Oh, putain. Oh, mon Dieu. Non, 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 non. Oh, putain. Oui, bah oui, bah oui, bah c'est nickel. Oh, putain. Jacqueline, mais sérieux? Mais sans déconner, le remettez pas là. Aïe 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 aïe, mais à l'aide. À l'aide. Please, help. Ah mais help! Oh putain le rebond! Oh le rebond! Mmh. Voilà!
Bon, ils vont pas en mettre un 4 secondes, c'est bon. Perso, je voudrais une suite au film Assassin's Creed. Le problème, c'est qu'il s'est fait tellement lyncher, c'est que personnellement, je l'ai pas vu. Donc, je pourrais pas en dire du mal ou du bien. Il me tentait pas. Déjà, de base, il me tentait pas. Mais je l'ai pas vu, donc je. Voilà. Mais il s'est fait tellement lyncher qu'à mon avis. Désolé de vous laisser là, montez les bouillants, essayez de repasser plus tard. Ça marche, Hello, merci à toi de passer, la bonne soirée, à plus tard ou au plaisir. Le souci, c'est qu'à ça s'inscrit, le format film est tellement court et je lirai la suite après. Pardon, Lui va me faire chier. C'est très mal barré. Oh putain. Mec, si c'est pour faire ça. Franchement. Le souci, c'est qu'à ça s'inscrit. Le format film est tellement court pour ce qui est. Ça a un semblant de crédibilité, 2 heures pour raconter l'histoire, qu'elle soit, c'est si court. Pourtant, l'époque choisie est très intéressante, mais elle a pas eu le temps d'être réellement. D'accord. Je vois. Non ? D'accord. D'accord, ok. Je sais, bon. Oui, dans Origin, apparemment, du coup. D'accord, donc apparemment, enfin, la régie me dit que dans Origin, apparemment, il parle de la mise en place du système d'Animus du film. Il y a de bonnes choses à conserver, l'Animus présenté dans le film, je trouve que l'idée est géniale. D'accord. Mais voilà, le problème en fait avec ce genre de film, c'est que tout film tiré d'un jeu, d'un livre, de quoi que de ce que vous voulez, hein. Au bout d'un moment, l'idée suprême que ce serait fait par des gens qui connaissent la licence, qui au pire y ont joué ou au pire ont lu ou se sont documentés. Même avec la meilleure volonté du monde, c'est toujours compliqué en fait. Parce que. D'autant plus sur un livre, je trouve. Parce que bon, sur des jeux ou des trucs comme ça, t'as toujours du coup une image de référence, que ce soit par exemple pour des personnages. T'as toujours une référence. Sur des livres, t'as des descriptions, mais même les descriptions les plus précises qui soient,
Bah tu t'en fais, ta propre idée. Donc déjà, avec le choix d'acteur, tu peux déjà te casser la gueule. Ensuite, sur, mettons, une adaptation, bah, peu importe, comme on a eu de Warcraft, on parle de Zelda, on a eu Assassin's Creed, c'est compliqué de faire rentrer plusieurs années de lore dans un film de 2 heures. Au mieux 2 heures, hein, parce que bon, certains c'est moins. Et certains s'embarrassent même pas de faire entrer du lore, hein, dirons-nous. Certains babent le lore, ils leur chient à la gueule, dirons-nous. Mais bon. C'est toujours super, super compliqué. Et puis pour le moindre petit détail que tu vas prendre pour une facilité de scénario ou de trucs à la con, t'as de toute façon une horde de débilus qui vont arriver en mode « Ah non, vous avez pris que Michel, mais lui, ça va pas, parce que normalement, il est censé avoir les yeux bleus, et en fait, il a les yeux marron clair, en fait, vous êtes nuls, vous avez rien compris. » Et voilà, quoi, dedans. Oui, parce que je reprends cet exemple, parce que... Ça, c'est un truc qui a été un des, mon dieu, gros défauts qui a été relevé du film Warcraft. Khadgar, alors j'avoue que je sais pas. Personnellement, j'ai pas assez joué ni à WoW, ni lu le lore, ou quoi que ce soit. Khadgar est censé avoir les yeux bleus, si je dis pas de conneries. Et pour le film, attention mon dieu, ils ont pris un acteur qui a pas les yeux bleus. Et ça a fait scandale. Dans le métier, on appelle ça des oculaires de bouche. Excusez-moi, mais bon, voilà. Oh, putain. Oh, mais sérieux, j'en ai marre. Les gens s'insurgent tellement pour des conneries. Mais c'est ça, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Faut juste arrêter. Après, je dis pas, hein, certains films sont vraiment de la pure daube, hein, Dragon Ball Evolution, là, hein, c'est bien, bien de la merde. Ah, bon, je l'ai pas vu le dernier Tomb Raider, donc je peux pas lire. Mais oui, mais toi, en même temps, t'es fangirl de Tomb Raider, donc voilà, t'es pas objective. Oui, bah t'es pas objective, c'est ce que je dis. Et moi aussi, je le suis, je suis pas objectif pour Dragon Ball, parce que j'ai grandi, j'ai vécu 15-20 ans avec. Donc oui, je pourrais pas être objectif sur Dragon Ball, même si, objectivement, c'est de la merde. Mais bon, voilà, c'est... Il y aura de toute façon toujours des gens pour râler, et de toute façon, c'est ces gens-là que tu entends le plus, parce que forcément, voilà... Warcraft, j'avais bien aimé aussi, même si je connais pas spécialement le lore. Ben voilà, moi aussi, tu vois, je suis pas un gros spécialiste. Bon, j'ai fait Warcraft 1, 2, 3. J'ai joué pendant un an à WoW. Je connais pas toutes les ficelles, tu vois. Le lore, j'en connais certaines bases, on va dire. Mais j'ai pas tout. Et le film, en fait, ne s'attarde pas sur le lore dont il n'a pas besoin. Et le truc, c'est qu'à écouter les fans puristes et compagnie, il faudrait que dans un film de 2 heures, il raconte 15 ans de lore. C'est pas possible. Ou alors, tu te fais des ellipses à la hache, quoi. C'est... voilà. On parle pas du dernier Tomb Raider, il n'existe pas, dit Tina. Bah, perso, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas juger. Et il m'intéresse pas, puisque bon, perso, j'avoue que Tomb Raider, ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire. Donc bon, voilà, mais... Après, est-ce que... La vraie question que je me pose, c'est est-ce que si, imaginons, il y avait quelque chose, ce type film, série ou peu importe, qui serait fait sur Mass Effect, est-ce que j'arriverais à être objectif? Personnellement, je pense pas. Même si je pense être assez ouvert d'esprit pour garder ma suspension d'incrédulité assez, on va dire, assez haute pour être... pour savourer la chose, faudrait vraiment que le truc soit à chier pour que je ne l'accepte pas, en fait. Je pense que maintenant, à force, vous me connaissez, vous connaissez mon état d'esprit, on va dire. C'est... voilà, je suis globalement bon public.
Donc s'il faut vraiment qu'il y ait un gros problème pour que le truc il passe pas. Ah, mais me foutez pas sous la bouboule! Arrêtez de me mettre dessous! Ah, j'ai pas le temps de sauter. Mais bon. Mais j'avoue que ouais, un petit film Mass Effect, qu'est-ce que je kifferais. Oh, qu'est-ce que je kifferais. Et là, c'est clairement le fanboy qui parle. Hein. Le problème est qu'on parle de série live, beaucoup de jeux passeraient mieux en version animée. Oui, c'est sûr, après... Bah, on en parlait ce soir avec la régie et mes parents d'ailleurs. Une série qui devait être faite sur Teen Titans. Ceux qui connaissent pas, en gros, c'est l'univers DC Comics avec des héros jeunes, donc il y a Robin, il y a Starfire, Cyborg, etc. Mais jeunes. Et pour Starfire, donc qui globalement est une ado, on va dire, à peau un peu mate, cheveux, c'est une petite rousse. Mais peau un peu mate, hein. Notez bien le peau un peu mate. J'aimais beaucoup quand j'étais gosse. Ah mais j'aime toujours, perso, je trouve ça génial. Et quand tu vois le casting qui a été fait, mais tu dis, à quel moment y a rien qui va, y a aucun truc de bien dedans. Et donc Starfire, pour jouer Starfire, ils ont pris une black. Alors j'aimerais quand le fait que ce soit une black, hein. Mais black, cheveux frisés. À quel moment? Enfin, je veux dire, après, bon, une coiffure, ça se change, j'ai pas un souci. Mais elle ressemble à... Enfin, désolé pour la personne, mais elle ressemble pas du tout à Starfire, en fait. Et comme je dis, je suis même pas un gros fanboy, j'aime beaucoup la série, mais voilà, pas au point de me dire « Ah, mon Dieu, sacrilège !» Mais je me pose vraiment la question, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? À quel moment ils se sont dit « Ça passe ». Franchement, le casting, il est top. Je vois des persos comme Raven, qui est censé être une personne très côté, on va dire, ténébreuse, qui t'ont fait juste un émo, en fait. Enfin, une émo. J'avoue, autant ça fait, je m'en fous un peu, autant Raven, je suis un peu blasé de voir le personnage, la personne, enfin, l'actrice qu'ils ont pris. Parce que Raven est mon perso préféré, j'adore ce perso, elle est géniale. Et là, je vois ça, je dis... Ah, c'est donc ça l'image qu'on est censé en avoir, qu'on est censé s'en faire. Un Legend of Zelda animé, je dirais oui. Ouais, enfin, je dirais oui dans certaines limites, hein, parce que quand on voit ce qui a déjà été fait sur The Legend of Zelda en dessin animé, bah, tu pleures un peu du sang, hein, voilà. Mais oui, c'est ça, voilà. Legend of Zelda animé, c'est oui, mais en film, pour sûr, sur le coup, bah c'est ça, quoi, c'est ça. Non, la gravité. Ouh, succès déverrouillé, Big Hair. Le grand air. Du quoi tu disais, pardon? Un vrai animé. Ah oui, non, mais bah après, faudrait voir. Voilà, là, nous sommes partis. Oui, exactement, je... Avec des batailles à l'épée qui finissent en bataille à deux Stormtroopers, hein, voilà, ça c'est long. Mais après, même des images en 3D comme ils ont fait pour le long métrage Saint Seiya, je trouve pas ça pas dégueulasse. Non mais ça c'est une pépite, c'est différent. Ouais, c'est encore différent parce que c'est tellement nul que... C'est tellement nul que ça en devient bon, vous voyez, c'est... Non, on parle du dessin animé, pas du dessin animé, mais du jeu Zelda qui est une hérésie, mais qui au fond est génial tellement il est à chier, tu vois. Oh putain, le mec il m'a...
Oui, il y a un jeu Zelda, c'est le plus jeté des résis. Tu l'as pas vu le JDG sur Zelda? Ah bah faudra que tu le qu'on se le regarde. Ah parce que le squalala c'est... Ouf. Ah oui, squalala c'est quelque chose, hein, faut... Ça va être terrible. Le mec en pagne là, il va être relou. Il va être extrêmement relou. Le mec en pagne est toujours là. Putain, il y a un de ces monts, demi de dieu. Non, 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 putain. Sa putain de merde. Vraiment. Mais ouais, non, je... J'avoue qu'une série live Zelda, je sais pas. Je sais vraiment pas. Après, sur des jeux, quand on est dans l'univers du jeu, on va dire dans des jeux qui se veulent déjà... Enfin, quand le jeu déjà à la base est plus... se veut déjà plus réaliste, ça me choque moins de voir un film style, bon, Assassin's Creed se veut plus réaliste. Ou Uncharted, vous voyez, perso, ça me dérange pas de voir un film. Même si je suis dégoûté de pas voir l'acteur de Castle parce qu'il passe beaucoup trop bien. Voilà, je trouve ça dommage, mais bon, je le regarderai parce que c'est Uncharted et que je trouve ça génial. Enfin, j'adore Uncharted. D'ailleurs, je pense qu'on se les refera en live, un de ces quatre. Parce que Uncharted, c'est tellement la vie. Mais après, des trucs style Zelda, style... Ouais, je suis moyen chaud, quoi. Je suis vraiment moyen chaud. Oui, mais il y a eu des films live action sur Mario. Il y en a eu des films live Mario. C'est très mauvais, hein, mais il y en a eu. Oui, après, bon, le plombier, bon, il est pas là que pour sauter sur le champignon, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon... Ah oui, clairement. Mais ouais, des trucs, si, ben, voilà, comme on dit, comme Zelda, quoi. J'ai vraiment du mal à voir ça en film live, quoi, ou même en série live, quoi, peu importe. Eh, mademoiselle, il va falloir colmater cette fuite. Ben oui. Heureusement que j'ai apporté avec moi mon tuyau de 12. Enfin, non, dans le film, c'est tuyau de 18, hein, parce que... Minimum. On parle du film Super Mario. Oui, ben oui, justement. C'est ce dont on parle, justement. Ah oui, là, Super Mario, il brosse dur, hein. C'est fou. Ah, ça brosse très très fort et ça fait de la mousse. Aïe aïe aïe. Wouah! Eh, le mec a eu tellement chaud, je pense qu'il a eu la peur de sa vie là pour le coup. Il t'a fait un drift. Oh peu d'avis de Dieu! J'ai vu cette tomate, elle a levé les bras! Mais barre-toi, tomate de ces morts!
Oh putain. C'est pas Yoshi qui tire la langue, hein, c'est moi qui te le dis. Ah bah ça, on est bien d'accord, ouais. Ou alors il n'y a pas que Yoshi. Et là, ça devient dégueulasse. Non, je préfère pas m'imaginer Todd. Quand on sait que c'est un homme champi, je trouve ça extrêmement dégueulasse. Non, c'est pas un consommateur de champi, c'est un homme champi. Du coup, c'est dégueulasse. Ah ben, je veux pas savoir, justement. Ah, YOLO! Blague, blague. Nyeh. Mais oui, mais laisse-moi y aller, là. Bien. Disgaea? Ah, je pense que c'est assez compliqué, en vrai. Oh, putain! Bon, bah, ça pue, hein. Bonne nuit. Voilà, au revoir. Allez, hop, c'est fini. Ah, oh, Mario a stick-moi le chapeau, bah oui. Non, ça c'est dégueulasse, on a dit. On a dit Yoshi, c'est dégueulasse. Yoshi, c'est hors sujet. Bah, en soi, Disgaea, ce serait pas impossible. Après, est-ce que ça rendrait bien? Je suis pas certain. Parce que le propre de Disgaea, c'est justement d'avoir des personnages que tu crées toi-même. Du coup, alors oui, il y a des, on va dire, des personnages emblématiques, des héros qui sont... Oui, mais parce qu'ils ont repris l'art, les compagnies, et si tu regardes, il n'y a aucun des personnages que tu crées toi qui est dans le jeu. Du coup, est-ce qu'en film ça passerait? Après, le problème, c'est que... XCOM en film, ça passerait. XCOM, ça pourrait passer, je pense. Oui, j'en ai jamais. Disgaea, après, le truc de Disgaea, c'est que de toute façon, c'est ça veut avoir un humour décalé de base. Même des personnages complètement déjantés. Oui, même ça, même sans ça, quand tu vois les héros qui sont... avec des coiffures surréalistes, des armes complètement surréalistes, etc. Ça, je pense pas que ça rendrait si bien que ça. Après peut-être, hein, clairement, j'aimerais me tromper. Parce que étant un grand fan de Disgaea, je dis oui. Ouah, c'est quoi ça? Oh d'accord. Ah, j'étais pas prêt. Ok, j'avais jamais vu ça. Ah putain, c'est l'autre, il m'a poussé. Ah oui, d'accord, donc il y a aussi une version où il n'y a aucun truc qui tourne, très bien. Mais lève-toi! Non, laisse Eve à sa place. Un TES, un film autour de la confrérie noire, bien foutu, ça peut franchement passer. Oui, clairement. Ça pourrait très bien passer. Mais en vrai, même un film sur l'univers The Elder Scrolls, on va dire au sens large, pourrait passer si... Et uniquement s'il se cantonne à une seule, on va dire, entre guillemets, série de quêtes. Ou peut-être deux, trois grands max. Non, mais ce que j'entends par série de quêtes, c'est genre un film sur la confrérie noire, ou un film sur la guilde des voleurs, ou un truc comme ça, vous voyez? Je pense que ça pourrait peut-être passer, mais si... Non, je ne veux pas faire ça. Je mange pas en live, moi. Je déteste les streamers qui mangent en live, je déteste faire ça.
Je sais que t'es en train de faire la cour à côté, hein. Je te vois, hein. Mais non, je veux pas de fraises. Oh, putain. Allez, descends, porte de mort. Ouais, un seul thème, pas adapté, un jeu en film où le héros devient maître de tout l'univers. Oui, c'est ça, quoi. Je veux dire, en 2 heures de film, le mec commence glandu du village à maître du monde. 2 heures plus tard, c'est... Ouais, bon, ça va, ça t'escalade la tête quickly. Aïe, aïe. Ah, la partie qui sert à rien. On va éviter de se faire pousser aussi cette fois-ci, ce serait bien. Alors, pastèque cerise, très bien. Commencer prisonnier et finir en sauvegarde pour affronter un dragon de métal. Bon, oui. En 2 heures, c'est pas mal. Putain, mais sérieux, le mec était 1 mètre derrière, il arrive à me choper. Comment ils font, les gens? Alors, le raisin, cerise, pomme, pastèque. Raisin, cerise, pomme, pastèque. Banane, raisin, pomme, cerise. Un raisin, je crois que c'était là. Oui. À moins que le film soit un speedrun, là ça passe, c'est vrai. En vrai, je pense que ça me ferait chier, perso. Eh, mais on n'arrête pas de l'avoir, celui-là, ce soir. En 3 lives, on l'a pas vu une seule fois. Là, ce soir, c'est la 3ème fois. Ah, il y a des marteaux en plus. Oh putain. Oh. Si le film fait juste la quête principale, ben, en vrai même pas. Si tu regardes, comme le disait Blue, la quête principale c'est tu débarres prisonnier, tu finis en sauvegarde pour affronter un dragon de métal. Je pense qu'en 2 heures, bon. Je vois absolument rien. Mais essayez de pas de la passer là, vous voyez bien qu'il y a un marteau mis de Dieu. Ok. C'est bon. Mais ouais, j'avoue que j'aurais bien aimé quand même, pour revenir à ce qu'on disait. Je reviens là-dessus, mais j'avoue que j'aurais bien aimé que Warcraft se fasse pas lyncher autant par des débiles. Et qu'on ait, qu'on ait la suite des films, quoi. Parce qu'à la base, c'était plusieurs films qui étaient prévus et.
vu comment il s'est fait lapider, s'il n'y a pas d'autre mot, bah tous les projets ont été annulés. C'est dommage. C'est tellement dommage. Parce qu'il y a tellement, il y avait tellement de trucs à faire. Puis je suis triste que ma race préférée de WoW n'apparaisse que quelques petites secondes à l'écran. Et les seules petites secondes que tu les vois, ils sont en train de se faire sucer, littéralement. Tout leur suc vital se fait aspirer. Donc pour les seuls que tu vois sont en train de crever, donc du coup, bon. J'aurais aimé avoir autre chose. Histoire de pouvoir en voir un peu plus, mais bon. Ah non, t'es pas sérieux ? Oh putain. Oh putain de merde, mais sérieusement. Niqué. Quoique. Oh non. Oh, cette blaze. Le mec m'est tombé dessus, vraiment. Oh, j'ai une envie de crier, de oh, d'extérioriser cette frustration. Oh. Non, je veux pas de coups salés. Non. Non, j'ai envie de manger mes doigts. Oh. J'ai pas mangé mon coussin Noctaline. Je veux pas. Non. Je veux pas manger mon coussin Noctaline. Oh, cette frustration. Sérieusement, le mec m'est tombé dessus. Ah, mais clairement, que le premier qui vient me dire que moi j'ai de la chance. Il bouffe mon siège en fait. Ouais, il bouffe le siège, je pense. Les roues avec. C'est comme pour M Andromeda. Oui, c'est comme pour ce qu'on disait par rapport à Mass Effect tout à l'heure, quoi. Fait. Je suis tellement. Ça aussi, vous voyez, ça fait partie de mes frustrations de joueur. De du coup. Savoir qu'on n'aura probablement jamais la suite d'Andromeda. Ça, j'avoue que ça, c'est une frustration de joueur. Mais bon. Bon, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient listé le Mass Effect Trilogy HD. Ce à quoi je suis quand même assez con. Blague, blague. Oui, je suis assez con, je sais, mais assez content. Je peux me lever si possible. Mais je sais plus ce que je disais. Oui, ici le Mass Effect Trilogy sur je sais plus c'est console, je crois. Enfin bref, en tout cas je l'ai vu qu'il avait été annoncé. J'espère qu'ils vont pas nous faire la baise de la version Steam de Mass Effect 2 et 3. À savoir sortir le jeu avec quelques DLC, pas tous,
J'espère que pour cette version, ils prendront pas les gens pour des cons. À nous mettre genre un DLC, si tu veux le deuxième, bah faut l'acheter, hein. Ce serait bien. Mais en vrai, ce serait l'occasion, parce que voilà, en tant que fanboy Mass Effect, évidemment, je pense que clairement je prendrai, hein, et ce sera l'occasion de se les refaire. Sauf si je me rends compte que niveau DLC, bah, il manque la moitié des trucs, quoi. Je jouerai aux anciennes versions, je mettrai un package D et puis basta, quoi. Au point où on en est, hein. Mais ouais, on verra bien. Bon, je pense lundi soir, si off, je l'ai. Comme je disais tout à l'heure, j'ai objectif pognon où il faut environ 400 000. Du coup, lundi soir, si off. C'est quoi? C'est vrai qu'il faut qu'on fasse aussi le Redmir. Plus tard. Qu'on se fasse le Redmir, qu'on se fasse la quête de l'arme. Oh, Bouboule de ses morts. Bouboule de ses morts. Je pourrais pas t'y off lundi après, bah alors. Hein. Non, parce que fatigue aujourd'hui, double contrat d'Athéna plus le contrat d'émissaire supplémentaire après, au secours. Ah oui, putain, ah oui, en effet. Libéré au flore d'avenir, j'ai bien envie d'avoir tes réactions pendant que je hurle à la mort. Ok. Bah, de toute façon, moi je vais le découvrir en tank, hein, donc ça va être marrant ou pas. Ah, mais attendez. Je vais le découvrir en tank, donc est-ce que ça veut dire que Blue et Roadstar, vous allez être les deux healers? Oui, Roadstar, tu fais bien dire « Oh mon lieu !» J'avais dit que je venais avec Hera, moi. Petit joueur. Le petit joueur. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vais le découvrir en tank. Et ça va faire mal. Alors, cerise et banane. Merde, c'était lequel? C'est celui-là? J'étais occupé, je pensais à autre chose et j'ai regardé. Raisin, orange, cerise, pastèque. Raisin, orange, cerise, pastèque. Pastèque, c'est là. Après, j'ai envie de dire. Alors, la première partie du Redmir. On verra après. Alors, cerise, pomme. Raisin.
risque de la part. Arrêtez! Oui, du coup, le premier Redmir, enfin la première partie, on l'avait découvert en tank. Et de mémoire, j'étais pas mort tant que ça. Je crois que j'étais mort qu'une, voire deux fois maximum, il me semble. Et GG Tina pour ton level 241. Mais il me semble globalement que j'étais pas mort tant que ça. Après, ça veut rien dire, hein, voilà. Mais bon. Après, j'ai souvenir que le combat de l'arme de Ruby, j'étais pas mort. Une seule fois, les seules fois où on devait mort, c'est quand on devait wipe, parce que Blue et moi, on était les seuls survivants. Donc au bout d'un moment, quand t'es deux tanks, c'est chiant. Enfin, quand il reste plus que deux tanks, c'est chiant. Je me suis fait peur. Je me suis fait peur, je l'ai. Hop hop hop. Oh, ça fait un mort, c'est dommage. Adieu monsieur pigeon. Ah, y en avait, il répond. Hein. Oh! Oh, il s'est fait niquer à cause d'une émote! Oh non, c'est moche! Le mec répondait à mon émote et il s'est fait niquer! Oh la tristesse! Pardon, j'ai pas honte de moi, lui il devrait avoir honte! On meurt pas comme ça! Le mec fait un coucou et il s'est fait embarquer. Mais ouais, je pense que cette semaine, il devrait y avoir pas mal de sea-off, hein, je vous le dis. Hein. Et une fois que j'aurai atteint mon objectif de pognon, je calmerai un peu. Et on reprendra les jeux normalement. De toute façon, il y a FF12 à continuer, Disgaea, Dragon Age. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est déjà pas mal en soi. Hein. On peut avoir un peu autre chose en finale là, parce que bon, à force, c'est relou. Et tu vas tomber, mais de Dieu! Merci! Ah, ok, il y en a déjà un tout en bas qui est en train de niquer la dernière plateforme. Très bien. Ouh. Sans déconner, et voyez là, là moi je tombe sur un mec, ah lui il tombe pas. Mmh. Ah ça m'énerve. Mmh. Mmh.
Ça démarre. Et en plus j'ai chaud. J'enlève mon casque, je reviens à tout de suite. Ah, mais de Dieu, qu'il fait chaud dans ce pays! Il peut pas repleuvoir là comme tout à l'heure, c'était bien. Non, parce que genre il a plu genre quoi, 5 minutes? C'est ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, bah on est bio. Bon, faut que j'aille jeter un œil aussi à mon chocobo sur un F14. Je dirais pas jeter un œil azuré, puisque maintenant que le classement est fini, le machin n'avance plus, évidemment. Les gens n'ont plus rien à foutre. Oh, il est sympa le motif noir et blanc du mec qui n'a pas avancé. Non mais ça c'est terrible hein. Depuis hier là ça bouge plus d'un poil. Non mais clairement ouais, je... Depuis que le classement est fini c'est... Oh là 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 là. Le truc a juste pas avancé d'un pouce. Mais je veux passer! Oh putain! Barrez-vous, con de mime! Oh mais genre! Comment le mec était derrière moi puis passer avant moi alors qu'il m'a pas grave ni rien? Ah d'accord, très bien. Ah, aïe aïe aïe. Bon, le temps que l'autre se lance. C'est bon, on a les trous niqués au milieu. Ouais. J'ai pas vu de changement. Le green, bon, regarde là. Oh non, la manette qui s'éteint, t'es pas sérieux? Oh putain. Sérieusement, la manette qui s'éteint en plein milieu là? Je te merde, docteur. Je te merde, karma de merde. Oh! Il me voterait en plus.
Oh, ça a avancé! Ça en est à quoi? 95%? Du coup, on l'aura dans quoi? 3 jours? Pogo! Barre-toi, c'est mon œuf! Oh, et toi, tu vas pas commencer, tu te casses. Tu te barres, rentre-toi chez toi! Mais tu vas rentrer chez toi, mille de Dieu! On t'a jamais dit qu'il fallait pas toucher aux œufs des gens? Toi, tu me... Mais tu vas lâcher cet œuf! Hop là. Mais what? Le mec est à 1 mètre de moi. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Les mecs qui te chopent, ils sont à 1 mètre, c'est... Je sais pas. Oh putain, sérieux. Mais sérieux. Non, mais lâche-moi, toi! Bon, les rouges, ça sert plus à rien. Y'a plus rien. Les rouges, ils sont tout vidés. Et GG Roadstar pour ton level 135. Oh non, on l'avait pas encore faite celle-là, je m'en passais bien. Je m'en passais tellement bien de celle-là. Oh mais sérieux, mais sérieusement, mais sérieux. De toute façon, on a vu le nombre de mecs qu'il y a devant. On passera clairement pas. Oui, voilà. Allez, c'est fini. Allez, c'est fini. Ciao. Putain. Eh, mais vraiment, j'en peux plus de cette map. J'en peux vraiment plus. Je sais pas, je comprends pas. Je ne comprends pas comment ça se fait que je n'y arrive jamais. Allez.
Quand même. Bon. Ça va être quelle version celle-là ? Ah. C'est une version alternative. Moi j'en ai dégagé deux. Oh non, oh non. Ah oui. Nice. Hein, pour une fois que j'ai un truc comme ça qui m'aide. Oh méchant. Ah. Ouais, d'ailleurs j'ai entendu que tu voulais une certaine somme dans Sea of, tu vas acheter un truc en particulier. Oui, un skin de bateau complet. J'ai déjà acheté deux pièces et j'ai plus de thunes. Je vais me prendre le skin du clair de lune, que je trouve très très cool. Comme ça je me dis que de temps en temps on pourra changer de skin. Non pas que j'aime pas le skin que tu mets, Blue, mais en même temps, c'est toi qui le mets, donc au bout d'un moment, faut tourner. Genre, c'est une corvée, tu sais. Bon, mais c'est, voilà, j'ai envie de me payer un skin de bateau, parce que voilà. Je l'ai pas en tête, je vois pas quoi il ressemble. C'est un truc bleu foncé, avec des trucs vert foncé. Il est moins voyant que celui de Blue. Oui. Mais en soi, ça change rien, parce que de toute façon, dans tous les cas, en jeu, tu vois une silhouette de bateau, et puis c'est tout, quoi. De loin, tu vois une silhouette de bateau, dans tous les cas. Ah, c'est... Ah, ça a changé, ça! Tellement le mec qui se vautre, l'astronaute là devant, vu le saut qu'il a tenté. Allez hop! Alors, au pire, je passerai sur CEO vite fait, alors je vais vous montrer. La seule chose voyante à éviter, ce sont les lanternes allumées en fait, mais autrement, les skins ne changent rien à l'animosité des joueurs envers ton navire. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, comme on dit, de loin, les mecs voient quand même une silhouette de bateau. Quel que soit ton skin, c'est tout. La seule chose qui va être voyant ou pas, c'est les lanternes. Pour ça que vous remarquerez qu'à chaque fois, les seules lanternes qu'on laisse allumer sont les lanternes qu'on a dans la cale. Parce que celles-là, ils ne les voient pas, vu qu'elles sont à l'intérieur. Oh, comment t'as eu chaud, petit loup? Oh putain, comment t'as eu chaud, petit loup? Je crois que c'est la première fois que je vois cette map se terminer avec quelqu'un qui n'a pas fini. Je crois que c'est la première fois. Ah! Est-ce qu'on va avoir des trucs relous au milieu? Non, ça a pas l'air. Ah, y a quand même les bouboules dans les cages.
Non, parce que les bouboules dans les cages, plus la plateforme tournante au milieu, mais c'est tellement relou. Enfin, c'était tellement relou. Oh oui. Oh mais non. Bon, ils sont que 4 là, ouais. Ils étaient que 3, donc on va quand même changer de... Ouais. On va les aider un petit peu. Elle est où la deuxième? Elle est là. Oh putain, il l'a touché avant que moi. Oui, il l'a touché avant moi, oui. Interception! Interception! Bon. Interception aussi. Mais arrête de faire des émotes en plein truc, toi, t'es pas sérieux? Nope! On a dit nope! 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 Ok, il y en a une qui part, c'est bon. Ah putain, il l'a eu avant moi. Non! Oh putain. Et il la met à cause de quelqu'un de notre équipe. Qu'on l'a pas vu celle-là. Alors, est-ce qu'il y a des trucs chelous? Ça a pas l'air. Non, ça a pas l'air. C'est la classique. Et évidemment que je me la prends dans la gueule. Oh putain! Oh putain! Oh oh. Ah merde! Non, non, le dino il passe! Ça fait deux fois que je me fais niquer à la fin sur cette map. 135 points d'XP, bah putain, on va pas aller loin. Mais en vrai, ouais. Je pense qu'il va falloir regarder ce que disait mon frère. Ouais. Ouais. Ça, avec le bras qu'on a vu à... Micromania, le dos. Que je vois si bon sur le site et que je note pour voir ce qu'il en est. En termes de poids, en termes de combien il supporte, etc. Parce que lui, le pépère, là, il est lourd, quand même. Du coup, ouais. Mais bon, ce sera pas avant un petit moment.
Tu peux casser mon père? Ouais. Ah. Oui, ça peut se tenter aussi. Oui, au pire, ça peut se tenter, c'est vrai. Ouais. Là, c'est pas con. J'avais pas pensé à ce... Ouais. Non, mais vas-y. Oh, oh putain, vas-y. Ça va être une partie de merde, ça. Oh, je le sens venir, ça va être une partie de merde. Ça va être une partie bien... je peux déjà vous dire que la game elle est foutue. Oh putain mais sérieux quoi. Ah bah si là, non mais là y'a aucun espoir. Ce pinball, non mais clairement quoi. Si je passe pas au milieu, je passe pas du tout. Sport des temps dernier. Non, 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 non. Si ça passe. Heureusement qu'il y en a qui tournaient à la fin. Non mais c'est bien parce que ça promet pour les games suivantes. Je pense qu'on va essayer de passer le level. Il y a toujours de l'espoir sur cette map, ça va. Ouais, non, je... Quand tu restes bloqué un quart d'heure sur le pinball au début, c'est... Voilà, quoi. C'est tellement relou. Après, mon frère disait que lui, il a branché un USB, c'est ça? Ouais, pour avoir la taille du câble. Oui, au pire, ça s'achète, mais bon, si je peux éviter d'avoir acheté un câble USB, ça m'arrangerait. En fait, si je pouvais m'éviter d'avoir acheté quoi que ce soit, ça m'arrangerait. T'as quoi que ce soit de supplémentaire, dirons-nous. Mais quoi? Oui, non. Oh, j'ai pas eu peur. C'est pas vrai. Me pousse pas. Ah. Oh, barrez-vous. C'est quoi ces rebonds sans déconner? C'est quoi ces rebonds? C'est quoi ces rebonds qui sont pas homologués? Devrait même pas être permis de rebondir comme ça. J'ai tapé le haut du Bouddha. Ça aurait pu être terrible. Et vous, votre permis de rebond, hein? Non mais clairement. Oh, pff. Malade.
Bon, est-ce qu'on est bien placé? Et surtout, est-ce que c'est une version relou? Ça a l'air d'être la version originale. On va voir sur ce qui est tiré. Est-ce que c'est des bouboules ou des rondins? Bon là, ça va être chaud de passer sur le... C'est des bouboules, donc non, c'est la version originale. Ah mais je suis deuxième, j'avais pas vu. Ah, j'ai pas voulu le tenter, j'aurais dû. Bodaga! Oh putain, mais sérieux? Tout va bien! Vas-y, petite canette! Enfin, demi-canette! Tu peux y arriver! Hop! Ouais, non, ça va être compliqué si tu fais ça. Allez, vas-y, demi-canette! Hop! Hop! Non, demi-canette! Le sort des demi-canettes était reposé sur tes épaules. Tu étais l'élu des demi-canettes. Allez, donc tu veux faire son relou. Ah, t'es conscient que c'est... Ah, tu veux lui faire passer la ligne d'arrivée, d'accord. Ah, au moins comme ça tu me diras, il attend pas à faire ses 2 heures, ses émotes devant la ligne d'arrivée. Hein. Oh putain. Bon, on l'a fait 2 fois, une fois ça a été terrible, une fois ça a été coup de maître. On va voir ce qu'on va faire. C'est la partie qui va décider de tout. Absolument tout. J'ai pas de queue pour commencer. Très bien. Merci, vous êtes bénévole. Je prendrai soin de cette queue, rassurez-vous. Oui. Mais genre... C'est ma queue, ça. C'est ma mienne, y'a mon nom dessus. Mais, putain, mais sans déconner, regarde, le mec m'a chopé alors qu'il était genre 1m50 derrière, quoi. Oh, je l'ai pas eu. Arnaque.
Ah non, non, non. Oh putain. Mais donne-moi ta queue, mi de Dieu. Mais donne-moi ta queue. Non, pas toi. Oh putain. Oh sérieux. Et encore une fois, je me fais niquer ma queue. À 2 secondes de la fin. Ah, c'est relou. Ah. Allez, hein, on passe le level et on se casse, parce que ça me saoule. On se rapproche du pagne, hein, je l'aurai mon pagne. Ben là, j'en ai marre. Aïe aïe aïe. La Winning Gang. Version alternative. J'ai vu des marteaux. J'ai vu des marteaux derrière les hélices du milieu de la zone. Mais what? Oh, ouais, ces marteaux là. Bon, on va le tenter. Au moins une fois. Black up là. Oh putain. Ah, j'avole bien. Hein. Non ! Reviens les frites ! Bah. Ah non, reviens les frites. Oh, on aurait dit moi tout à l'heure. Déçu. D'accord. On a perdu le même Michel Cordet de frites. C'est quand même relou. Le cornet est agité, je répète, le cornet est agité, ceci n'est pas un exercice, exactement. Allez. Un petit Covid ? Bon, ça a l'air d'être l'original, encore une fois. On va m'expliquer pourquoi sur cette map, à chaque fois, ils te mettent la caméra à l'envers. Comment ça passe pas? Non, non, oh putain.
prendre le chemin normal. Oh putain. Dieu, domine. Oh, ça va, d'accord. Oh, il y a eu un 360 du mec tenu baseball. Le petit 360 sur la piste, on l'a vu. Aïe aïe aïe, ça commence à monter. Ah, c'est la mort du pirate. Ah, on va perdre un dino pigeon. Un pinot. Bon, 13, ce sera pas un jeu en équipe pour la suite. Peut-être une dalle, les dalles invisibles. Je le sens bien là, je sais pas pourquoi. Puis ça fait longtemps que j'ai pas vu l'attrape-queue en équipe aussi d'ailleurs. Et j'ai toujours pas de queue. Ouais, encore faut-il en choper une. Voilà. Voilà comme ça on s'échappe. Comment on s'échappe ? C'est comme ça qu'on s'échappe. Je guette. Le premier qui vient, je me casse avec mon marteau. Ah putain, la tomate m'a gêné quoi, sérieux. Oh mais putain, mais genre. Oh non. Non. Oh putain, oui. Non. Oui. Oh. Prends ça, enfoiré. Oh. Oh, ça va verser. C'était ma queue. Aïe aïe aïe. Hein? Oui. Bon. La montée of Doom. Et ça a pas l'air d'être une montée modifiée.
Non! Oh putain! Mais barre-toi! Ouais, bah c'est foutu, hein! Oh non, non! Oui! Ah oui! Ils se sentent tous viandés! Ah, ils se sentent tous viandés! Voilà, ça c'est fait! Non mais! Ah, au secours! Ah, ils se sont tous cassés la gueule! Ah mon dieu! Eh, ça fait deux couronnes pour ce level, hein! Merci pour les GG. Ah, ils se sont tous vautrés. Bon, pour la peine, on change de skin. Ah, tous des Bélus, hein. Ah non, mais clairement. Là, pour le coup, ils ont vraiment fait de la merde. Hein. C'est pas moi qui était bon. Hein. C'est vraiment pas moi qui était bon sur ce coup-là. T'as un canard en peau? Non, c'est un canard tout court. Ça me paraît bien. On garde la tête noire? Ou tête jaune? Ou tête blanche? On met de la tête jaune. Et la couleur là, on s'en fout puisqu'on ne la voit pas. Ou est-ce qu'on s'en fait une dernière? Ensuite, la suivante va probablement être la game de trop si j'en fais une, mais... Au fait, il y a quelque chose dans la boutique aujourd'hui, ouais, c'est pas super intéressant. Bon, il y a le skin de Alix, mais bon, il faut 10 médailles, enfin 10 couronnes pour le récupérer. En même temps, j'aimerais bien le récupérer, mais bon, 10 couronnes, quoi. Enfin, y a quel point j'ai galéré pour en choper une. Il y a le bas de Maître Ninja, mais pareil, c'est 5 couronnes, donc au revoir. J'ai le Amstram Grab qui vaut 3 couronnes, mais bon. Voilà. Sinon, bah les couleurs, vous les verrez pas. On va enlever la tenue canard, comme ça vous verrez. Du coup, il y a la couleur Raptor. Parce que chacun sait que les Raptors étaient vert et violet. La couleur jour à la plage. Qui est sympa en vrai, en bleu et couleur sable comme ça. J'aime bien. Je vais peut-être me la prendre. Je la prends, tiens. Écoute, que dalle. Le motif pantalon. Le motif point. Vraiment pas fan. Motif point. Ouais, je suis pas fan, moi. Ah oui, pour le coup, oui. Mais voilà, pas entièrement convaincu. Allez, la petite dernière qui va probablement être la game de trop, la fameuse. Ouh, de toute façon, comme je dis, je passais mon level et je m'arrêtais, donc là on l'a passé, je vais faire une game histoire de vite fait. On va probablement mourir à la troisième map, hein, comme d'habitude. Et ensuite on s'arrêtera là, je pense. Ça me paraît pas mal. Et demain, grâce mat! Si je meurs pas de chaud avant. Allez, les 6 derniers, là. Bon, les 4 derniers. Eh ben, merci. Bon. Ouais, mais aujourd'hui, c'était pas pareil. Vu le nombre d'heures de montage que je me suis tapé aujourd'hui, voilà. Dommage, je dors. Oh, c'est le final, l'arrivée avec le marteau. Qui fait que même si t'arrives à la fin, tu peux quand même finir premier. Si tu te fais bien catapulter, ça peut être bien. Bon,
Ah, barrez-vous avec vos portes, là! Putain, j'ai même pas pu le taper dans... Ah! Laissez-moi descendre! Ah, mais barrez-vous! Et je me casse la gueule. Oui. Ah, j'ai pas été bien tapé là. On a fait mieux tout à l'heure. Ah, le mec a tenté le tout pour le tout de choper le marteau pour finir la map. Mais non. C'était trop tard. Bon. Ça, c'est fait. Allez, suivante. C'est quoi? Pas les balançoires, c'est tout ce que je demande. Pas les balançoires, pitié. Je veux plus des balançoires. Oui, bon, c'est pas plus intéressant. Hein. C'est vraiment pas plus intéressant, celle-là. Alors, pastèque raisin. Alors, banane cerise. Pastèque pomme. Ah, y'a le pigeon, il a pas bougé. Alors, raisin, orange, banane. Raisin, orange. Orange. Belle! Bon, ça, c'est fait. Comme on l'a dit, c'était pas passionnant. Clairement pas passionnant. Ensuite, qu'est-ce qu'on se fait? Ah, bah voilà, on attrape que en équipe. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Oui, elle a eu du mal à sortir cette phrase. Oui, j'en suis conscient. J'avais bien vu un canard bleu. Et je n'ai pas de queue. Il va falloir remédier à ça. Oh putain. Oh, j'ai sauté trop loin. Merci. Oui. Raté. Voilà. Attends, on a vraiment deux mecs qui fouteraient, qui font juste des émotes chez les bleus là? Apparemment oui, on a vraiment deux mecs qui foutent rien, ils font juste des émotes. Sérieusement. Oh putain. Mais barrez-vous, corps de bim. Oh putain.
Voilà. Bon, 21 qualifiés, on se rapproche pour la dernière game de la soirée. Il fallait évidemment qu'on tombe sur cette map. Il fallait évidemment qu'on finisse sur cette map. Parce que vous savez pertinemment, vous et moi, on le sait, que je vais pas la passer. On est tous au courant. Mais what? Comment je me casse la gueule comme ça, quoi? Mais sérieux. Oh, le jeu lui-même, il y croit pas, donc à partir de là, moi, je veux bien faire des trucs. Mais y en a pas des kiwis! Mais y'a pas de kiwi! En plus, c'est elle. Je l'avais dit que j'y arriverais pas. Ce qui élève donc le nombre de victoires sur cette map. C'est la vague 4, je crois. 4 ou 5, je sais plus. Depuis qu'on a commencé à jouer au jeu, hein, je précise, même depuis la bêta. Je crois que ça fait 5. Je vais pas la passer et pouf, fini deuxième. Oui, non, mais je fais de la psychologie inversée. Vous voyez, comme tout le monde sait que là, je vais pas faire top 1. Tout le monde le sait. Moi, le premier. On le sait très bien. Non, je vais pas le faire. On le sait très bien que je vais pas le faire. Oh, ben voilà. Tout le monde saute, tout le monde continue, sauf moi qui me casse la gueule. Pourquoi? J'en sais rien. Oh, mais sans déconner. Mais barré. Oui, bah oui, bah non, mais là c'est un assassinat, c'est. Voilà. Prendre 3 boules dans la gueule d'affilée, c'est bon. J'ai compris le jeu que tu veux pas que je joue. 4. Putain. Aïe, 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 aïe. Bon, on fait quand même 4 manches, finis sur la 5ème. Pas si mal. On va dire ça comme ça, ça fait quand même dingue sketch cette map. Non mais clairement, fait voilà, ça confirme encore que des fois le jeu juste il veut pas voir ta gueule, tu vois. Juste il veut pas de toi. Du coup, tu te bouffes 1, 2, 3, 4, 5 fruits dans la gueule que tu ne peux pas éviter. C'est un truc de fou. Les assassinats de fruits dans ce jeu, c'est... Cette boule qui juste atterrit sur la tronche. Mais c'est ça. Mais c'est tellement ça. Ah. Bon. On aura réussi à faire un top 1. Comment? J'en sais rien. Enfin oui, enfin si, je sais comment on a fait un top 1. Ils se sont tous cassés la gueule. Allez. On est à 4 niveaux de l'objectif. On est seulement à 4 niveaux de l'objectif. Objectif secondaire, on est à 8 niveaux. Mais voilà, on est à 4 levels de l'objectif. On peut le faire. On a 4 levels à faire en 16 jours. C'est pas moi qui étais bon, c'est les autres qui étaient mauvais. Ah non, mais clairement. Ah oui, non, mais alors ça, mais très clairement, je veux dire... Ça, j'ai même pas besoin de le confirmer, c'est tellement... Ça se voit. Ah oui, bah si, je l'ai pris celui-là. J'allais dire, ah tiens, je vais finir par me le prendre. 8 levels en 16 jours, ça va être chaud, à moins d'un level par jour.
Non, ça se fait, en vrai, ça se fait. C'est juste que voilà. De toute façon, généralement, par soirée, on passe un voire deux niveaux, donc en vrai, ça se fait. Elle est où ma couleur Ouais, c'est celle-là. Couleur jour de plage. Et vu que c'est jour de plage, on y va avec. Avec. Je l'ai pas encore le panier. J'ai pas de maillot de bain. Bah non, pas le bas de canard. En fleur, voilà. Enfin bref. Du coup, eh bien c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir. Non, vraiment, ça confirme que putain, c'est devenu compliqué de faire des top 1. C'est soit moi qui me nullifie, plus je joue, plus je deviens nul. Soit c'est le jeu qui devient de plus en plus compliqué, je sais pas. Aïe aïe aïe, mais enfin bref. Du coup, bah, je vous remercie à tous d'être venus ce soir pour ce live tardif. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Pour le coup, on se retrouvera bah, pas demain, puisque demain c'est dimanche et que demain c'est repos. Mais on se retrouvera bah, dès lundi, et lundi soir ce sera du Sea Off, puisque je veux du pognon. Je veux du pognon pour me faire une nouvelle coque, une nouvelle voile, des trucs, des machins. Voilà, ça va être bien. Mais du coup, eh bien, je vous souhaite de passer un bon dimanche, d'ici à une bonne nuit, et à lundi, pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, portez-vous bien, et que la fonk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.